Salut, c'est Mélanie. Allez, on continue sur les albums jeunesse. Et ce soir, je voulais vous parler d'un tout petit bouquin qui aurait pu passer inaperçu, mais heureusement que je l'ai croisé et que nos regards se sont trouvés et on est tombés follement amoureux l'un et l'autre. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de La vérité sur mes incroyables vacances de David Kelly et Benjamin Shaw aux éditions Helium. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce truc? Encore une fois, on est chez les petits. Donc voilà, pareil, on va à l'école primaire. Et ouais, je sais, ça vous avait grave manqué, moi aussi. École primaire, retour de vacances, et comme très souvent, la maîtresse dit, alors, vous avez fait quoi pendant vos vacances? Et là, notre jeune héros, eh ben, il a tout fait. Mais alors, tout, tout, tout. Il a été à la plage, et puis, bah, à la plage, il n'était pas super bien. Et puis, en fait, de fil en aiguille, il va raconter, mais un bobard, mais du début à la fin, c'est juste absolument pas crédible. En fait, il était à la plage, avec son petit costume, son petit truc, et en fait, il a trouvé une bouteille échouée dans la mer. Donc il a été attrapé la bouteille et qu'il l'a emmené valdinguer aux quatre coins du monde. Et déjà de base, c'est juste pas crédible. Et je crois que le meilleur, ça reste quand même la fin, cette dernière page, où on se rend compte que cette bouteille à la mer, c'est la maîtresse qui l'a jetée parce qu'elle savait que ce jeune homme était très casanier, très studieux et qu'il ferait rien autrement, si ce n'est sans cette bouteille à la mer. Il y a l'histoire qui est à la fois très très drôle. Et je crois que j'ai encore plus préféré le dessin et la mise en page que j'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette mise en page? C'est un grand grand dessin et une toute petite ligne de texte derrière. Et voilà. Et donc en fait, ce jeune homme va aller chercher un trésor parce que dans cette fameuse bouteille, c'était juste une carte au trésor. Et en fait, il va faire la moitié du monde. Tout ça pour se rendre compte que son trésor, il était sous ses pieds. Enfin bref, voilà. J'aime bien, c'est débile, c'est tout niais, mais je suis super fan pour le coup. Donc voilà. Alors, j'ai quand même envie de vous montrer juste la dernière page où on voit la maîtresse. Moi, elle m'a juste fait hurler de rire pour le coup. Hop, je vais la trouver. Et voilà, donc la maîtresse qui planque la bouteille. Donc voilà, la vérité sur mes incroyables vacances aux éditions Helium.